Yann Brossat, bonjour. Bonjour. Adjoint à la maire de Paris, chargé du logement. Alors dans quelques jours, le 1er décembre, les particuliers qui louent un meublé touristique à Paris devront obligatoirement se déclarer sous peine de sanctions financières. Vous avez mis en place une plateforme sur le site de la ville de Paris. Il faut dire que la situation prend une réelle ampleur. En l'espace d'un an, selon l'observatoire Airbnb, on est passé de 56 000 à 86 000 meublés touristiques à Paris, tout cela au détriment des habitants, des Parisiens, des étudiants. Est-ce que ça peut durer longtemps comme ça ? Ah, je pense effectivement qu'il y a besoin de changer la réglementation en matière de meublés touristiques. Nous sommes confrontés depuis maintenant quelques années à un développement frénétique de ces locations. Je ne parle pas de gens qui louent leur logement quelques semaines par an pour avoir un complément de revenu. Je parle de gens qui ont transformé leur logement en meublé touristique à l'année. Et il est vrai que depuis 5 ans, 20 000 logements parisiens ont été transformés en meublés touristiques qui ne servent plus à loger des Parisiens. Donc effectivement, c'est un vrai problème parce que cela engendre aussi dans les copropriétés des nuisances, des conflits de voisinage. Et donc il est nécessaire de mieux réguler, de mieux encadrer ce phénomène, ce que veut effectivement faire la ville de Paris. Est-ce que l'encadrement des loyers n'a pas amplifié le phénomène? Quand on voit que, et c'est le LAP qui l'indique, le loyer mensuel d'un studio à Paris, c'est 777 euros, 30 nuits sur Airbnb rapportent 1935 euros. Et pour un deux pièces, exemple, 997 euros en location traditionnelle, on passe à 1935 euros sur Airbnb. Vous savez, je constate que toutes les grandes villes touristiques du monde sont confrontées au développement de ces locations touristiques. C'est le cas à Barcelone, c'est le cas à Madrid, c'est le cas à New York, c'est le cas à San Francisco, c'est le cas dans bien d'autres villes du monde où il n'y a pas d'encadrement des loyers. Et donc je ne pense pas qu'on puisse trouver une corrélation entre le développement de ces locations touristiques et l'encadrement des loyers. Non, la meilleure preuve, c'est que ce phénomène s'est développé partout, encadrement des loyers ou pas. À Barcelone, il n'y a pas d'encadrement des loyers, il y a néanmoins un développement délirant de ces locations touristiques. Il y a simplement un phénomène lié au développement de ces plateformes, lié au fait effectivement que ces locations touristiques sont deux à trois fois plus rentables que la location traditionnelle, et donc une nécessité pour les pouvoirs publics de trouver un encadrement qui soit juste, qui permette la location occasionnelle, parce qu'il n'y a aucune raison de l'interdire, mais qui évite que des logements soient transformés en machines à cash qui ne servent qu'à loger des touristes. Alors justement, vous le disiez, chaque pays, chaque grande ville tente de lutter contre le phénomène. Alors à Londres, c'est 90 jours de location en meublé touristique au maximum pour sa résidence principale. Amsterdam, 60 jours maximum. À Barcelone, pas plus de 31 jours avec un document officiel. Et Berlin, alors Berlin est revenu en fait au concept initial, c'est-à-dire il faut que le propriétaire soit là, c'est un bout de canapé, et ça va même jusqu'à une amende de 100 000 euros. Est-ce qu'on peut arriver à des situations comme ça, à interdire ou à revenir à ce que fait Berlin ? Je ne le sais pas. Et pour tout vous dire, je ne suis pas favorable à ce que Paris mette en place la décision prise à Berlin qui consiste à interdire totalement la location d'appartements entiers. À Berlin, vous ne pouvez plus louer qu'une chambre dans un appartement. Moi, je considère qu'il n'y a pas de raison d'interdire la location d'un appartement par un propriétaire qui part en vacances quelques semaines par an. En revanche, s'il y a une question à se poser à Paris et dans les villes françaises confrontées à ce phénomène, c'est plutôt la question du nombre de jours autorisés. Il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez le droit à Paris de louer jusqu'à 120 jours par an. 120 jours, c'est beaucoup. Et il y a assez peu de propriétaires qui partent 4 mois par an en vacances. Et donc je pense que l'une des questions qui sera posée, notamment dans le cadre de la loi logement qui sera présentée par le gouvernement, ce sera d'obtenir que les villes puissent fixer elles-mêmes le plafond du nombre de jours autorisés. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est uniforme, quelles que soient les villes. Moi, je pense que souhaite la ville de Paris, typiquement faire comme Londres. Je pense qu'il faudrait réfléchir à abaisser ce plafond, par exemple à 90 jours. Je pense que ce serait plus juste et plus conforme à la réalité de ce que sont aujourd'hui les locations touristiques. Airbnb dit d'ailleurs que sa moyenne, c'est 31 jours. Donc si on baisse à 90 jours, on ne privera pas un nombre considérable de gens de cette manne-là. Emmanuel Macron, c'était une promesse de campagne, souhaite mettre en place le bail mobilité, un bail de 1 mois jusqu'à 10 mois qui sera ouvert à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas une des réponses, justement ? Pour remettre des logements vacants sur le marché ou pour... Je ne le sais pas et j'ai pour ce qui me concerne un certain nombre de craintes sur ce bail mobilité qui pourrait se
muet en bail précarité, parce qu'une location d'un mois, c'est quand même extrêmement faible. Et si un locataire se retrouve au bout d'un mois sans possibilité de renouveler son bail et se retrouve confronté à cette précarité supplémentaire qui s'ajoute à la précarité de l'emploi, cela me paraît dangereux. Et donc je pense qu'il y a d'autres pistes à explorer pour remobiliser des logements vacants. La ville de Paris a mis en place par exemple un dispositif multiloc qui consiste à aider des propriétaires à faire des travaux dans des logements qui peuvent être en mauvais état par le biais de subventions. En échange, le propriétaire s'engage à relouer son logement 20% en dessous du prix du marché. C'est bien sur le principe, mais on dit que ça ne fonctionne pas très bien, ce bail multiloc. Il faut sans doute y réfléchir. Il faut réfléchir à des incitations fiscales sans doute plus importantes, peut-être revoir les subventions qui sont accordées. Mais en tout état de cause, je préfère cette solution-là à une solution qui se traduirait par une précarité supplémentaire pour le locataire. À propos de Paris et justement du prix, les notaires indiquent dans leurs avant-contrats qu'on va dépasser les 9 000 euros du mètre carré en moyenne, on va peut-être arriver aux 10 000 euros, on est en train de battre des records. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que les prix de l'immobilier soient moins chers ? C'est vrai que c'est cher et c'est vrai que c'est trop cher. En tout cas, les prix à l'achat à Paris atteignent des niveaux qui sont, il est vrai, délirants et qui empêchent du même coup la classe moyenne d'accéder à la propriété dans la capitale. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que dans les zones d'aménagement de la ville de Paris, les terrains que la ville de Paris maîtrise, nous puissions travailler à des prix maîtrisés, ce que nous allons faire dans Paris, ce que nous commençons à faire. Ce qui est fait dans certaines villes limitrophes, type Saint-Ouen. Tout à fait. Ouais. Et l'expérience montre que cela fonctionne bien. Et nous le faisons d'ailleurs en partenariat avec les promoteurs qui eux-mêmes souhaitaient que la ville de Paris s'engage dans cette démarche. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est que sur nos zones d'aménagement, lorsque nous mettons en compétition différents promoteurs, la charge foncière n'est pas l'élément sur lequel nous nous basons pour sélectionner le promoteur. Nous fonctionnons sur la base d'une charge foncière fixe et nous privilégions le promoteur qui s'engage à des prix de sortie qui soient des prix pas trop chers. Alors, je ne dis pas qu'on va vendre à 5 000 euros du mètre carré à Paris, ce ne serait pas réaliste. Mais enfin, en tout cas, l'idée est de travailler d'une manière différente et de faire en sorte que les prix soient moins chers qu'ils ne sont aujourd'hui. On construit suffisamment à Paris. Quelles sont les grandes zones justement de développement où on va voir sortir de terre de nouveaux programmes ? Il y a de grands projets à Paris, notamment sur les friches SNCF. Ce sont 13 000 logements qui vont être construits sur ces friches SNCF, essentiellement situés dans le 18e arrondissement et dans le 12e arrondissement, notamment autour de Bercy-Charenton. La réalité, c'est qu'à Paris, il faut concilier deux objectifs. D'une part, il faut construire massivement du logement là où c'est possible. Dans le même temps, la population parisienne dit à juste titre que Paris est une ville qui est déjà très construite, très pleine, où on manque d'espace vert. C'est la ville la plus dense d'Europe. Il faut réussir à concilier cette volonté de construire et le maintien d'une qualité de vie pour les habitants. Et c'est ce que nous essayons de faire. Construire, oui, mais dans des conditions qui soient acceptables par la population. Quel regard portez-vous sur la politique du logement d'Emmanuel Macron ? Je porte un jugement assez négatif, comme beaucoup d'ailleurs, sur la APL, politique du HLM, logement ici, d'Emmanuel Macron. J'ai le sentiment que le logement pour Emmanuel Macron n'est rien d'autre qu'une dépense qu'il faut réduire. Et toute la communication du gouvernement, pas seulement la communication, mais les actes aussi, depuis le début de son mandat, vise à faire des économies sur le dos du logement. Et tout le monde le voit bien, notamment avec les mesures successives prises sur les APL particulièrement, que cela se traduira non pas par une augmentation de l'offre de logement, mais par une chute de l'offre de logement si le gouvernement maintient ses projets jusqu'au bout. Et donc je suis très préoccupé par la série de mesures prises par le gouvernement, notamment cette ponction prévue sur les bailleurs sociaux. Qu'est-ce que vous souhaiteriez en priorité que soit mise en place ? Moi, je souhaite en priorité que le gouvernement renonce définitivement à cette ponction d'1,8 milliard d'euros sur les bailleurs sociaux, qui va mettre les bailleurs sociaux sur la paille, dans une ville comme Paris, qui est une ville dans laquelle nous avons une politique de logement social très active, 7 000 à 7 500 nouveaux logements sociaux construits chaque année. La politique du gouvernement, la ponction sur les bailleurs sociaux, c'est entre 60 et 80 millions d'euros qui vont être pris dans les caisses des bailleurs. Derrière, qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence ? Moins de logements construits, moins de réhabilitation, moins d'emplois dans le secteur du BTP. Et donc je suis très inquiet, et ce que je demande au gouvernement, c'est de suspendre cette mesure. Emmanuel Macron a annoncé lors du Congrès des maires une conférence de consensus. Pour aboutir à un consensus, il faut qu'il commence par suspendre cette mesure. C'est à suivre. Et
Yann Brossat, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.